Voilà donc 10 ans qu'Ulysse tente désespérément de rentrer chez lui, à Ithaque. En vain. Après bien des aventures, le voilà échoué sur cette île aux confins du monde. Face au destin qui s'acharne contre lui, Ulysse a définitivement baissé les bras. Prostré, il ressasse ses souvenirs. Sans cesse, il revoit ce jour où il quitta Troie en flammes, croyant la fin de son périple toute proche. Troie vient de subir l'assaut des Grecs. Elle est en flammes, entièrement détruite. C'est la ruse plus que la force qui a permis aux Grecs de prendre la cité de Priam, grâce au cheval de bois qu'a conçu l'ingénieux Ulysse. On aperçoit encore son imposante silhouette. Dans ses flancs, on avait caché les plus vaillants guerriers. Et à la nuit tombée, se faufilant hors du cheval de bois, ils ont ouvert grand les portes de la ville à l'armée grecque. En quelques heures, la fière cité fut prise et son roi, Priam, traîné hors du palais et massacré. Ulysse, depuis le rivage, revoit les scènes de carnage de ces derniers jours. Agamemnon, le roi des rois, avait juré que pas une pierre ne resterait debout à Troie. Il a tenu parole. Il a même fait pire. Les rues se sont transformées en une coulée de sang. Tous les habitants, jeunes ou vieux, soldats ou civils, ont été passés au fil de l'épée lors de ce massacre qui a duré des jours et des nuits. On a violé les femmes, égorgé les vieillards, précipité les nouveau-nés innocents du haut des murailles. Les seuls survivants du carnage, la reine Hécube, sa fille Cassandre et sa belle-fille Andromaque, veuve d'Hector, le fils aîné du roi, sont devenus les esclaves des vainqueurs. Mais les milliers de vies volées aux Troyens ne feront pas revenir d'entre les morts les valeureux guerriers grecs tombés au combat, les amis d'Ulysse. Achille, le divin héros. Patrocle. Ajax. Antilope. Et tant d'autres. Toutes ces vies perdues. Une guerre pour rien. Ou plutôt, pour combler l'orgueil d'un seul homme, Agamemnon. Si les dieux ont laissé faire cela, songe Ulysse, alors ils ne sont plus dignes d'être célébrés par les hommes. Si les dieux n'ont pu ou n'ont voulu empêcher cela, alors, ils ne méritent plus qu'on les révère et qu'on place en eux l'espoir et la foi. En son cœur, Ulysse sent que le temps de craindre les dieux, de croire en leur justice, ce temps qui a rythmé pendant des millénaires la vie des hommes, n'est plus. Oui. Si les dieux étaient justes, ainsi qu'ils le prétendent, pourquoi le monde est-il devenu ce lieu d'injustice? La vie, désormais, a le goût de l'amertume. Ulysse ne souhaite plus qu'une seule chose, quitter cette terre ensanglantée et rentrer chez lui. Au moment de partir, Ulysse et les Grecs qui ont survécu à cette terrible guerre
partagent le même dépit. Tout ça pour ça. Troie ne regorgeait ni d'or ni de bijoux, comme l'avait promis Agamemnon, le roi des rois. Son seul trésor, c'était son peuple, et il a été anéanti pour venger les héros grecs tombés au combat. Les soldats qui ont pris place sur les navires d'Ulysse repartent vers Ithaque, les mains vides, le cœur lourd, l'âme enténébrée par leurs crimes. Ulysse contemple une dernière fois ce spectacle de désolation, puis regarde ses deux plus proches capitaines, Eurylope et Polytesse, les amis de toujours. Une fatigue terrible pèse sur leurs épaules. Sur l'Olympe, Zeus a tout vu. Il a surtout tout compris. Ce qui se joue en ce moment, dans le cœur d'Ulysse, est la plus redoutable des menaces pour les dieux immortels. Peut-être pire que toutes les querelles et toutes les batailles auxquelles se livrent depuis toujours les divinités de l'Olympe et qui ont conduit à cette guerre de Troie qui a vu tant de vies sacrifiées. Car, en Ulysse, ont germé les graines d'un mal qui risque de se propager à toute vitesse. Un mal que tous les dieux redoutent. Et que les hommes nomment l'athéisme. Athéna est auprès de son père. Elle est la déesse de la guerre et a protégé les Grecs pendant tout le conflit. Elle a tout particulièrement veillé sur Ulysse. Elle admire son inventivité, ses mille ruses. Elle vient demander à son père de faire en sorte que le retour d'Ulysse vers sa patrie, Ithaque, soit doux et paisible. Il l'a bien mérité. Mais Zeus s'emporte. Sa fille a-t-elle oublié que si elle est la déesse de la guerre, elle est aussi déesse de la raison, de la sagesse? Que peut-on attendre du comportement nouveau d'Ulysse? Cela passera, répond Athéna. Non, ça ne passera pas. Zeus le sait. Si un homme, un simple mortel, commence à douter de la puissance des dieux. S'il abandonne toute croyance en eux, c'est bientôt leur nécessité même qui sera remise en cause. Or, poursuit Zeus, les dieux ne tirent leur puissance et leur gloire que de la croyance que les hommes placent en eux. Que les hommes se détournent, cessent de croire, de les craindre, de leur sacrifier les hécatombes, de leur rendre les honneurs, alors les dieux n'auront plus sur terre aucun pouvoir. Athéna le sait. Elle en convient. Il faut donc châtier Ulysse, tonne Zeus. L'empêcher de répandre cette idée de par le monde. Et pour cela, le faire périr sur la route du retour. Soudain, le vent se lève. Une formidable houle conduit la flotte d'Ulysse vers une île et la force à accoster. Ulysse connaît cette île. C'est Ismaros, le pays des Cicones, qui furent les alliés des Troyens, les ennemis des Grecs. Puisqu'il faut y faire halte,
Ulysse décide de s'y procurer des vivres. Mais ces hommes outrepassent ses ordres et se livrent au pillage. Ils massacrent les cicognes, puis s'enivrent dans les tavernes. Eurylochë tente d'intervenir. Les dieux risquent d'être contrariés. Ulysse n'a pas le courage d'arrêter ses hommes. Les dieux, lâche-t-il dans un soupir. Un vieillard se jette aux pieds d'Ulysse. C'est un prêtre d'Apollon. Il propose au roi d'Ithaque de l'or et des outres de vin rare, afin que sa famille et lui-même soient épargnés. Ulysse accepte d'un air absent. À la vue de tous ces cadavres qui recouvrent les rues, il est pris de vertige. Encore des morts. Mais nous ne sommes plus devant les murailles de Troie. La guerre est finie. Ces nouveaux combats n'ont plus aucun sens. Ulysse ordonne brusquement le retour au vaisseau. Mais alors que ces soldats, encore éméchés, alourdis par leur prise de guerre, remontent à bord des navires, une pluie de flèches s'abat sur les Grecs. Ce sont les cicognes de l'intérieur des terres, alertés par les rescapés du massacre, qui fondent sur Ulysse et son équipage. Les Grecs tentent de faire face. Mais plusieurs d'entre eux sont tués. Il faut fuir. Eurylochë fait alors observer à Ulysse qu'ils ont abandonné leur compagnon mort sans sépulture. L'âme de ces malheureux continuera donc d'errer sur terre, sans but. Jamais elle ne connaîtra le repos éternel. Pour un Grec, c'est le pire des châtiments. Ulysse le regrette, mais ils n'ont pas eu le choix. Zeus et Athéna ont été les témoins de ce qui vient de se dérouler sur l'île des Cicones. Athéna voit-elle de quelle impiété Ulysse, son protégé, s'est rendu coupable en abandonnant les corps de ses soldats morts? Athéna comprend la menace que représente Ulysse. Oui, il bafoue les dieux. Oui, il semble bien qu'il ait cessé de croire en eux. Mais justement, il ne faut pas le tuer. Mais plutôt le ramener à la raison. Si Ulysse a réellement perdu la foi, alors le foudroyé n'empêchera pas ses idées de se propager parmi les hommes. Le récit de l'anéantissement de Troie viendra aux oreilles d'autres mortels qui, devant tant de morts qu'ils jugeront injustes et absurdes, se mettront à penser comme Ulysse. Non, ce qu'il faut, dit Athéna, c'est que Zeus la laisse protéger Ulysse, comme elle l'a toujours fait par le passé, en l'aidant dans ses épreuves. Puis, en se faisant reconnaître de lui, elle balayera d'un revers de main ses idées nouvelles. S'il rentre sain et sauf, guidé par la déesse, alors Ulysse sera bien obligé d'admettre que malgré les morts de la guerre de Troie, les dieux sont tout-puissants. Il reviendra dans le droit chemin et oubliera ses idées séditieuses. Zeus réfléchit longuement. Il n'est pas encore prêt à laisser Ulysse en paix. Voilà 4 semaines qu'Ulysse et ses hommes ont quitté Troie. Un marin désigne un cap. Tous reconnaissent les falaises d'Ithaque. Des cris de joie s'élèvent. Bientôt, ils seront chez eux.
enfin de retour. Mais soudain, le ciel se charge de nuages. Le tonnerre gronde. Cette nouvelle tempête, plus effrayante encore que la précédente, les repousse vers le large. La mer semble plonger dans les ténèbres. Malgré les efforts désespérés des hommes d'équipage, la houle emporte les navires loin d'Ithaque. Ils voguent maintenant dans la direction opposée, vers le sud. Après une longue semaine d'orage, Ulysse et ses vaisseaux abîmés abordent une terre inconnue. Ulysse décide d'explorer l'endroit afin de trouver des provisions. Il laisse trois hommes près des navires, chargés de les surveiller, et s'enfonce dans les terres avec ses compagnons. Quelques heures plus tard, ils sont de retour, les bras chargés de vivres. Mais les hommes à qui ils avaient confié la garde des navires ont disparu. Pour Ulysse, il n'est pas question de repartir sans eux. Il faut les retrouver, vivants ou morts. Au terme d'une marche qui leur semble interminable, ils atteignent l'orée d'un village. Des hommes, des femmes, des enfants les accueillent avec de grands sourires. Ulysse les interroge. Il veut savoir ce que sont devenus ses trois compagnons. En guise de réponse, on les entraîne vers l'une des huttes. Leurs amis sont là, assis par terre, sains et saufs. Mais ils affichent un air béat et mastiquent des fruits étranges, de couleur rose. Il dévisage Ulysse comme s'il le voyait pour la première fois. Ulysse les apostrophe, leur parle d'Ithaque, de leur famille. En vain, les trois hommes ne se souviennent de rien ni de personne. L'un des habitants qui a guidé Ulysse lui offre alors un de ces étranges fruits et l'encourage à en manger. C'est le fruit du lotus, explique-t-il. Il a le pouvoir de faire oublier le passé. Tous les souvenirs s'effacent irrémédiablement. Les êtres, les lieux, rien ne demeure. Un léger trouble envahit Ulysse. Oublier le passé. Ne plus revoir ces images qui le hantent. Ce serait donc possible une renaissance. Les lotophages ne semblent guère apprécier. Ce fruit, cette offrande jetée à terre, est un blasphème. Parmi les lotophages, le ton monte, les épées sortent de leur fourreau. Ulysse et ses hommes doivent fuir. Ils empoignent leurs trois compagnons, toujours frappés d'hébétude, et les traînent jusqu'au bateau. Un brouillard intense a recouvert la mer. Il rend la navigation périlleuse. Le nord et le sud se confondent.
À l'aube du sixième jour, une île se dessine au loin. Elle semble constellée de pins et de chênes, dominée par des montagnes. L'île des Cyclopes. Un tremblement saisit l'équipage. Les Cyclopes sont des géants. On les dit fils du dieu de la mer, Poséidon. Ils ont la réputation d'être vindicatifs, orgueilleux et de ne respecter aucune loi. Ils ne sèment ni ne labourent et pourtant, on affirme qu'ils ne manquent de rien. Sans qu'ils aient à fournir le moindre effort, leurs terres produisent du blé et des vignes aux grappes bien lourdes. On dit aussi qu'ils ne vivent pas dans les plaines, mais dans de profondes cavernes. Et surtout, qu'ils n'hésitent pas à dévorer quiconque pénètre sur leur territoire. Ulysse prend la décision d'explorer l'île. Puisque le sort s'acharne et les empêche de rejoindre Ithaque, qu'ils en profitent pour découvrir les curiosités que le monde recèle. Et puis, il leur faut à nouveau des vivres et des provisions. À bord des navires, il ne reste plus que du vin, qu'Ulysse, revêtu de ses armes, emporte avec lui. Bientôt, voici Ulysse et ses compagnons devant l'entrée d'une grotte perchée en hauteur, juste au-dessus de la mer. La demeure d'un cyclope, sans aucun doute. Après s'être assuré que le lieu est désert, les Grecs se glissent dans la caverne. Elle est immense. À l'intérieur sont rangés des dizaines de paniers remplis de nourriture. Les marins, terrifiés, suggèrent que l'on emporte au plus vite les paniers et aussi le troupeau de brebis qui paît juste devant la grotte et que l'on regagne au plus vite les navires. Mais Ulysse refuse. Il ne partira pas sans avoir vu l'un de ces mystérieux cyclopes dont tout le monde parle. Un bruit de pas se fait entendre. Tous se cachent au fond de la grotte, dans le coin le plus sombre. Une forme se profile devant l'entrée. Elle est si imposante qu'ils ne peuvent apercevoir que ses jambes. Des jambes si larges qu'elles masquent les dernières lueurs du jour. Ulysse rampe hors de sa cachette. Il glisse prudemment la tête et manque de défaillir. Le cyclope a senti la présence de l'équipage. À peine a-t-il franchi le seuil de la caverne qu'il aperçoit Ulysse et ses compagnons recroquevillés, tremblant comme des feuilles. Il exige de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Ulysse lui répond qu'ils sont des guerriers venus de Troie et qui rentrent chez eux. Que des vents mauvais les ont poussés vers cette île. Ils implorent l'hospitalité du cyclope. Mais le cyclope éclate de rire. L'hospitalité? En guise de réponse, il saisit au hasard deux marins, les soulève comme des fétus de paille et les lance contre les parois de la caverne. Ulysse est pétrifié.